Nous sommes à l'Écomusée d'Alsace et aujourd'hui, jeudi, c'est le jour des bénévoles. Travaux d'entretien, de construction, inventaire des collections sont au programme de ces assidus du jeudi. Une belle équipe qui fournit ce travail de l'ombre indispensable à la vie du musée. Puis bénévole à l'Écomusée, cela depuis 1974, donc on compte plus les années. Je suis en même temps administrateur et un des papas fondateurs de l'Écomusée. En tant que bénévole, j'ai déjà mon ancien métier qui était maître maçon, d'accord. Donc je m'occupais de pratiquement tous ces bâtiments passés entre mes mains. Et ensuite, on organise avec Georges donc, les chantiers du jeudi, puisqu'aujourd'hui, jeudi, c'est journée de travail. Comme nous sommes bénévoles Monsieur Plus, nous donnons des petits coups de pinceau, des petits bricolages. Préserver, donner vie et transmettre le patrimoine alsacien demande un minutieux travail de recherche et de conservation. Dans ce grenier, des milliers d'objets recueillis par les équipes du musée. Certains d'entre eux viendront décorer quelques-uns des intérieurs traditionnels recréés pour le musée. Les autres seront conservés pour les générations futures. C'est en tout cas un véritable travail de fourmi. Je suis le supervisor de la collection d'objets de l'Écomusée. Voilà. Donc ça représente beaucoup de travail. On a énormément d'objets à recenser. Et les recenser, les prendre en photo, faire une fiche pour chacun, les classer, tout ça. Donc je suis beaucoup dans les greniers. Dans la poussière et les greniers, et puis on découvre toujours des objets particuliers dont il faut des fois chercher l'origine, c'est toujours très intéressant. Depuis 33 ans, l'Écomusée d'Alsace a fait de la préservation du patrimoine bâti sa raison d'être. Ainsi, ce sont des constructions venues de tout le territoire qui ont fait du site un véritable petit village. À l'ouverture, il y avait une vingtaine de maisons. Aujourd'hui, nous en avons plus de 70, en comptant les annexes, les granges, le lavoir, etc. C'est donc devenu un véritable petit village dans lequel il y a un fourmillement de vie. C'est une des spécificités de l'Écomusée d'Alsace, c'est que c'est un musée vivant. Nous y avons une soixantaine de salariés, mais aussi 250 bénévoles actifs, 500 adhérents, qui accueillent tous les ans, à l'heure actuelle, environ 200 000 visiteurs. À l'apogée dans les années 90, nous étions même à près de 400 000 visiteurs. Nous incarnions à l'époque véritablement le patrimoine bâti tel qu'il nous a été livré par des générations d'Alsaciens. Nous l'avons étudié, nous avons écrit dessus et nous le transmettions aux visiteurs. Voilà les missions que l'Écomusée d'Alsace a assumées pendant trois décennies, de son ouverture 84 jusque vers 2013. Derrière la préservation du patrimoine, il s'agit aussi de transmettre ces gestes qui ont fait la vie de nos ancêtres. Transmission au public, bien sûr, mais aussi aux bénévoles, qui pour les plus jeunes d'entre eux n'ont pas connu même de loin ces façons de faire. Avec tous les jeunes bénévoles, on leur apprend comment on a fait le feu pour faire la cuisine avec les cuisinières à bois. On cuisine à l'ancienne et en fait, ça va tout naturellement. Moi, je vois mon petit-fils qui a 8 ans. Le dimanche, il ne jure que par ici pour vivre comme sa mamie, ma maman, vivait. Du moment qu'on passe la passion, elle passe à tout âge. Autre challenge relevé par les équipes du musée, rendre à la nature la vitalité et la diversité qu'elle avait dans l'Alsace rurale du 19e siècle. Une gageure quand on sait ce qu'était ce site jusqu'à l'arrivée du musée. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, c'était ici un espace complètement désert. Et avec les efforts qui ont été faits par l'équipe qui a installé l'Écomusée, le paysage a totalement changé, la nature a repris ses droits, les oiseaux sont venus, les plantes aquatiques, toutes les plantes en général se sont réinstallées. Et aujourd'hui, on a un milieu tout à fait vert et très agréable. Ici, nous sommes un musée de plein air. Ici, nous sommes à l'air libre la nature et la biodiversité, les animaux, le végétal, font partie de nos collections. Donc, l'environnement lui-même fait partie de nos collections puisque nous avons la chance d'avoir une extraordinaire biodiversité. Enfin, notre village ne serait pas complet sans ces animaux de ferme. Veaux, vaches, cochons sont ici des acteurs à part entière. Tout comme ces vignes qui font partie des 4,5 hectares de terre mises en culture pour transmettre les méthodes de l'agriculture d'antan. Un théâtre naturel qui se fait au rythme des saisons. Alors là, je suis en train de palisser la vigne. Donc pour la vigne, nous avons des sarments qui sont en train de tomber et on les raccroche pour pas qu'ils cassent et pour avoir une meilleure récolte. Je travaille ici à l'Écomusée, je suis salariée en tant que médiatrice agricole.
Nous nous occupons des animaux, des champs et nous faisons des médiations, donc des animations devant les visiteurs. Par exemple, on fait la traite de la vache devant les visiteurs en leur expliquant ce que l'on fait, pourquoi on le fait. On amène ensuite le lait pour qu'il soit transformé. On sort aussi les cochons pour la glander comme on faisait à l'époque. Et d'autres animations comme ça devant les visiteurs avec les animaux. Nous trouvons dans ce site un centre pédagogique d'éducation à la nature. Comme nous en avons sur l'ensemble du département, c'est une spécificité aurinoise, puisque nous avons un peu plus d'une demi-douzaine de centres d'initiation à la nature, en plaine, en montagne. Et ce centre-là fonctionne très bien et les classes de l'ensemble du secteur, voire de l'ensemble du département, viennent s'y rendre ici pour être sensibilisées à la nature. Depuis 2014, les missions de l'écomusée sont en évolution. Lieu de préservation et de transmission, le site se fait aujourd'hui laboratoire. Objectif, interroger le passé pour construire le futur. À l'heure du développement durable et de la COP21, quelques-unes des solutions à la crise écologique pourraient bien s'inventer ici. C'est un joyau, d'autant plus que c'est un joyau vivant. C'est un musée sociétal, un musée vivant qui est tourné vers l'avenir, donc qui permet de transmettre le passé à toutes les générations, mais qui est tourné vers l'avenir. Donc l'idée, c'est de redonner du sens à ce patrimoine aujourd'hui. Alors comment ? Comment ? Eh bien en créant, par exemple, un festival d'expérimentation constructive qui va démarrer en juin 2017, juste à côté de moi ici. Nous avons invité un certain nombre d'architectes à créer des projets de construction qui sont des constructions du 21e siècle, mais qui sont aussi en dialogue avec le patrimoine. Donc c'est quelque part, il s'agit de renouer avec le fil de l'histoire. Peut-on construire une maison alsacienne du 21e siècle ? Ainsi, ce sont trois nouvelles constructions qui verront le jour de juin à juillet dans le cadre du festival Beuchtel. Certains chantiers seront ouverts au public. Si vous êtes bricoleur ou simplement curieux, tous les renseignements sont à prendre auprès de l'écomusée.